Dans les rues de Paris, un soir, une citrouille illuminée surgit. À l'intérieur, Pierre, Valentine, et puis il y a moi aussi. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Pierre est passé par une société d'événementiel. Pour que cette soirée soit inoubliable, il a pris le package Cendrillon. Valentine est sa princesse. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Si on est là ce soir, il y a une raison. Voilà. Devant moi, une demande en mariage en direct, dans la plus pure tradition. Valentine ? Tu t'es voulu m'épouser ? Ben oui ! On va voir plein de petits bonhommes. Mais je croyais que c'était pas prévu pour ce soir. Une happy end pour ces deux amoureux qui se sont rencontrés il y a 4 ans sur leur lieu de travail. Le problème, c'est que les contes de fées, ça ne court pas les rues. La France compte plus de 15 millions de célibataires. C'est 30% de plus qu'il y a 10 ans. Paris détient un record, c'est la capitale du célibat boom. Un Parisien sur deux est seul. Il y a presque 1 million de cœurs à prendre. Ce soir, je vais essayer de comprendre pourquoi. J'ai donné rendez-vous à 4 célibataires. Bonsoir tout le monde. Ils ont tout pour plaire, et pourtant, ils sont seuls. Il y a Adrien, qui sort d'une relation compliquée. Stéphane, divorcé avec un enfant. Marion, célibataire depuis peu. Et Laetitia, qui cherche l'amour depuis 4 ans. Alors, au célibat. Au célibat. Alors, on trinque au célibat, mais on n'est pas vraiment heureux d'être célibataire. Hein. C'est ça. On est d'accord. Toi, comment tu expliques que tu es célibataire? Mais alors ça, je ne me l'explique pas du tout. C'est très difficile de faire confiance à une femme parce que nous ne savons jamais si elles sont là vraiment par amour ou s'il y a vraiment un intérêt dans la relation. Et c'est très très compliqué pour nous. Je pense que je ne suis pas le seul, je ne parle pas pour tous les hommes, mais en tout cas pour beaucoup d'hommes. On est très jugés sur l'apparence et sur le côté financier. Comment vous expliquez que les hommes soient aussi méfiants par rapport aux femmes? C'est une excellente question à laquelle je ne saurais pas répondre. En fait, je pense que c'est à eux qu'il faut le demander. Moi, il y a quelques années en arrière, je devais me marier avec quelqu'un qui m'a planté à peu près une semaine du mariage. Donc, tu parlais de confiance tout à l'heure. Je pourrais avoir le même problème de confiance. Pour autant, quand je vais vers les autres, enfin, je pense que je suis assez, je vais assez facilement malgré tout vers les autres. Je sais pas répondre à cette question. Moi, personnellement, quand je suis amoureux d'une femme, je peux être très faible. C'est-à-dire, je peux croire un petit peu tout ce qu'elle me dit. Rassure-toi, c'est pas toi, c'est tous les hommes. Voilà. Quand on est amoureux d'une femme, on est tous faibles. Et c'est notre gros problème. Parce qu'elles, quand elles sont amoureuses, elles sont beaucoup moins faibles, pour moi. Mais je pense qu'elles ont plus confiance en elles que nous, en nous, quand nous sommes amoureux. Parce que nous, on est un petit peu plus moelleux, on peut plus se faire manipuler que vous, je pense, à ce niveau-là. Là, j'abonde dans le sens des garçons, parce qu'un homme amoureux est très faible. Complètement faible. C'est très éphémère. Oui, c'est très éphémère. C'est juste l'acceptation du risque, en fait. Quand on rencontre quelqu'un, on a juste le risque de se laisser aller. Et c'est juste l'acceptation du risque de se laisser aller. Et c'est en fait le risque, et le risque permet deux choses. Soit ça fonctionne très bien, soit ça fonctionne pas. C'est juste cette prise de risque. Et là où les femmes sont différentes, c'est qu'elles acceptent la prise de risque. C'est aussi un instant, un moment. Tu rencontres quelqu'un, t'es prêt à faire quelque chose et puis t'étais pas prêt 2 jours avant ou 15 jours avant ou 15 jours après. Voilà, ou l'autre est pas juste. Ou l'autre était pas prêt. Au même voilà. Moment, alors et ça c'est très dur. Oui, mais ça fait partie des règles du jeu. Mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure en introduction que c'est très compliqué et que je confirme que c'est très compliqué. Compliqué, c'est sûr. D'après un sondage, 20% des couples se sont rencontrés grâce à leur cercle d'amis. 18% au cours de leurs études et 10% au travail.
pour les 52% restants, les choses se corsent. Certains misent tout sur le hasard, d'autres le provoquent. Aujourd'hui, un célibataire sur trois est inscrit sur un site de rencontre. En France, il y en a 2000. Je vais tenter l'expérience. En quelques clics, je vais me mettre, moi aussi, dans la peau d'une femme en quête de l'amour. J'ai décidé de tester trois sites, à commencer par l'un des plus connus, Mythic, et ses 700 000 utilisateurs. L'abonnement n'est pas donné. Passe un mois, 34,90€ quand même. On va s'inscrire pour un mois, voir ce que ça donne. Mais à ce tarif-là, j'ai accès à des milliers d'hommes. Des bruns, des blonds, des roux, des chauves, des frisés, et autant de pseudos, plus ou moins inspirés. Rendez-vous magique, blondiné. Ça donne l'impression d'être au supermarché, d'avoir trop de produits, on ne sait pas lequel prendre. Faire du célibataire masculin un produit de grande consommation, c'est le credo de cet autre site de rencontre. Ici, je peux même mettre les hommes qui me plaisent dans un caddie virtuel. Il y a des produits régionaux, donc ça, en revanche, c'est assez drôle. Il y a des tombées du camion. Alors, j'ai un produit régional, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on fait? On l'adopte? Comme c'est gratuit, du coup, j'ai peut-être un peu chargé le panier. Je suis au bord de l'indigestion, mais il me reste encore un site à tester. Le premier site de rencontre avec sélection à l'entrée. Ici, deux personnes sur trois sont recalées dès l'inscription, car ce site est réservé aux cadres. Je tente ma chance. Votre profil va maintenant être présenté aux membres, qui ont le privilège et la responsabilité de sélectionner les nouveaux membres de la communauté. Leur décision vous sera communiquée dans un délai de 4 jours maximum. 4 jours plus tard, mon examen d'entrée est réussi. Après quelques soirées à chatter, je décroche mes premiers rendez-vous. Enfin, ne crions pas victoire. Mon premier rencard annule au dernier moment, rage de dents. Le deuxième est là, mais apparemment, il est bloqué sur un autre fuseau horaire. Heureusement, j'avais pris un livre, hein, parce que 3/4 d'heure de retard, on n'avait jamais fait ça. Et en plus, il est soporifique. Mais je suis beaucoup d'économie, je suis beaucoup tout ce qui se passe sur les marchés financiers, les tendances et tout. Il a 40 ans, il est divorcé avec un enfant. Seul depuis 6 ans, il s'est inscrit sur un site de rencontre il y a 4 mois. Et pour l'instant, son avis est mitigé. T'as plein de mythos aussi. De quoi? De mythos. De filles mythos? Ouais, ou de gens qui tu peux passer des semaines à échanger avec des gens que tu verras jamais. Même moi, ça m'est arrivé, j'en ai au moins 4 ou 5. De filles avec qui t'as échangé tes textos? J'ai jamais vu. Et après, il y en a qui mentent. On lui dise, ouais, pas marié, pas d'enfant, en fait, tu découvres que... Marié avec des enfants, etc. Ah non, c'est horrible, ça. Putain, j'espère. Mais il y en a beaucoup. Au bout de 30 minutes, Royal, il me laisse payer mon soda à 4 euros. Pour faire bonne mesure, je l'inviterai presque, sauf qu'il n'a rien bu. Non, je la laisse. Je suis grande seigneur, là. Célibataire, donc, et radin. Deuxième rendez-vous galant. L'homme a 36 ans, il est séparé depuis quelques mois. Il teste pour la première fois les sites de rencontres. Est-ce qu'on t'a adopté plusieurs fois? Ouais, ça va. Ça va, on t'adopte bien? On va aussi parler d'adopter. Ouais, hein. Ouais, je pense que je vais lâcher l'affaire. Pourquoi? Je rencontre trop de monde, quoi. Après, tu t'éparpilles, c'est pas bon, quoi. Moi, je sais qui je suis ce que je veux. Alors, tu veux quoi? Ça va, quand même. Franchement, voilà, quoi. M'éclater, m'amuser, c'est bon. J'ai 5 ans, 36 ans, maintenant. Ouais, t'as fait, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Tu vois, je dois bien avancer, quand même, quoi. Fin de l'expérience pour ce célibataire, pas franchement convaincu par la méthode. Des hommes et des femmes qui comptent sur Internet pour trouver leur moitié, il y en a pourtant 6 millions en France. En moyenne, ils investissent entre 30 et 50 euros chaque mois. On estime que ce marché rapporte plus de 200 millions par an. En Allemagne, un des leaders a accepté de m'ouvrir ses portes. Direction Berlin, c'est ici que le site eDarling a été créé en 2009. Et il y a une raison à cela. L'Allemagne est un des pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de célibataires, 16 millions. 4 ans après sa création, ce site est aujourd'hui dans le top 5 en Europe. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Valérie est française, elle a 33 ans, c'est la responsable du site pour la France. Qu'est-ce que ça vous fait travailler pour un site de rencontre? Quand on me demande en fait ce que je fais, j'ai souvent l'envie de dire je travaille au service de Cupidon, donc oups là. Donc pour moi, enfin, je sème un petit peu le bonheur partout. Donc nous voilà dans les bureaux. C'est grand. Tout en open space, donc c'est vraiment très agréable. Ça facilite les échanges, le contact. 1500 m² de bureaux répartis sur 2 étages, 350 salariés de nationalités différentes, moyenne d'âge 30 ans. E-Darling Service Clientèle, William, bonjour. Dobrý den, au téléphone Eva Hodečková, E-Darling. Welcome to E-Darling, de Prata Majerek. Ils sont là pour gérer les 13 millions d'hommes et de femmes inscrits à travers 21 pays différents. Dès l'entrée, un mur de photos annonce la couleur. Ce sont tous les couples formés depuis 2009 grâce au site. Ici, on vend l'amour, le vrai, celui qui dure. On doit en avoir 500, 600, 1000. Mais derrière ces images glamour, un algorithme incompréhensible pour un non-initié. Ça, c'est votre site, ça, en fait. Dans une langue que je ne comprends pas forcément, mais en effet. Vous comprenez quelque chose? Ce que je vois en ce moment? Oui, bien sûr. Je vois des gens qui envoient des messages à d'autres ou qui regardent des profils. Mais si j'écris quelque chose, vous pouvez le voir? Non, je ne vois pas exactement ce que vous écrivez. Mais je peux voir qu'une transaction est en cours. Parler de transactions pour un échange de messages amoureux, j'ai connu plus romantique. Mais ici, on est là pour faire du business. Tous les matins, en fait, la première chose que je fais, c'est vérifier les chiffres de la veille. Non seulement le nombre de personnes qui ont terminé le test, qui se sont inscrits, que ce soit pour la France ou pour les autres pays, pour justement vérifier qu'il n'y a pas eu de soucis techniques en fait, avec la plateforme. Mais est-ce que les chiffres sont bons, là? Les chiffres sont bons pour ce week-end. Très bon. Je pense que le froid fait en sorte que les personnes restent à l'intérieur et sont devant l'ordinateur. De bons résultats qui permettent aussi d'embaucher. En 4 ans d'existence, la société a multiplié par 20 le nombre de ses employés. Est-ce que vous êtes prêt à perdre? Oui, oui, je suis prêt. Je pense que c'est vous qui avez la balle. Oui, j'ai la balle. Ce jeune homme, avec son look décontracté d'étudiant, n'est pas un employé comme les autres. C'est un des fondateurs de la société. Le Mark Zuckerberg décide de rencontre. Il s'appelle David Khalil, il a 31 ans. Quand vous avez lancé cette société, vous étiez célibataire. C'est la raison pour laquelle vous avez créé ce site. Ça aurait pu être en effet ma principale motivation. Mais ce n'est pas vraiment pour cette raison. En fait, c'est vrai qu'étant seul, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui se faisait sur Internet pour faire des rencontres. Et là, je me suis vite aperçu que ces sites étaient plutôt destinés aux jeunes et que c'était plus pour faire des rencontres d'un soir. Pour toutes ces raisons, ma mère ne se serait jamais inscrite sur ces sites. Et j'ai pensé qu'il y avait un marché pour les relations sérieuses et un peu plus haut de gamme. Et c'est comme ça qu'on a créé le site. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Pour s'inscrire, il faut répondre à un test d'affinité. 280 questions. De quoi faire fuir en effet les séducteurs d'un soir. Quant au spot publicitaire, le nerf de la guerre, c'est un véritable hymne à l'amour pour la vie. Il a été diffusé dans 7 pays en décembre dernier. Coût de la publicité, 1 million d'euros. Vous aimez cette pub? Moi, je l'aime, bien sûr. Et vous? Moi, je n'aime pas ce genre de publicité pour un site de rencontre. C'est trop loin de moi.
Ça commence avec des personnes âgées, je ne me reconnais pas là-dedans. Mm-hmm. Ça fait trop conte de fées pour vous. Je vois ma grand-mère et mon grand-père, ce n'est pas moi. Normalement, les campagnes de pub que nous faisons sont plus directes. Là, nous avons une publicité qui joue plus sur l'émotion. Mais les retours que nous en avons eus sont très positifs. Et si Darling investit autant, c'est parce que chaque semaine, un nouveau site de rencontre se crée. Pour se démarquer des autres, il joue la carte de l'originalité. Site de rencontre entre propriétaires de chiens, site pour femmes cougars, pour militaires, il y en a pour tous les goûts et toutes les religions. Il y en a même pour les chrétiens. Ce soir, je vais rencontrer l'un de ses membres. On fait carrément la liste, très bien. Ève ? Impeccable. Jean-Paul est expert comptable. À 38 ans, il est toujours célibataire. Son rêve, rencontrer une femme qui partage ses convictions religieuses. Pour notre première rencontre, quoi de mieux que l'église ? Jean-Paul va à la messe tous les dimanches, ici, à l'église de la Trinité. Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres, une fête importante pour les catholiques. La foi, en fait, c'est vraiment important pour vous, là. Ça permet de te dire que tu n'es pas qu'un objet, quoi. Tout à l'heure, je regardais mon courrier, j'avais quoi ? J'avais une offre de financement, voilà. Tu reçois du courrier, c'est que des propositions commerciales. Alors bon, tu arrives ici, tu te dis que ça fait du bien, quoi. Là, ça permet de décompresser, de penser à quelque chose de plus grand. Et comme en plus, tu as vu, l'église est remplie, tout le monde est sympa, ça fait du bien au cœur. Parce qu'on se sent, du coup, entouré. Exactement. Aimé. Aimer, bah écoute, ça fait un palliatif hein, quand on est célibataire. Il y a l'amour de Dieu. Exactement. Bon, ça, ça fait une lentille sèche. Ah d'accord, il va se prendre, j'en aurais bien besoin. C'est le moment. Ici, Jean-Paul partage avec d'autres fidèles des valeurs chrétiennes fortes. L'amour du prochain et la bienveillance. C'est un bon remède contre la solitude. Et pourquoi pas plus, si affinité. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon père. Merci beaucoup. Merci. Enchantée, en tout cas. Hein? Je suis Ève. Le repos, enfin. Le repos, oui. Amen. Amen. Même pour moi, ce sera parfait. Bon merci. Entrée, carême, hein. Merci. Merci. C'est dommage de voir des prêtres aussi beaux. Et encore, t'as pas vu, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont... Alors là, les filles, elles sont comme ça devant. Et en plus, ils sont sympas. C'est terrible. Du coup, toi, tu te sens complètement inutile. Tu viens à la maison ? Tu me ramènes chez toi, parce que c'est catholique. Bien sûr. Oula. Il habite dans un arrondissement chic de la capitale. Quartier sympa. Très sympa. Et t'as vu, je suis encore à côté d'une église. Je suis encerclé. Bon bah, à l'amour. Aux belles rencontres. Aux belles rencontres, voilà, exactement. Et est-ce que tu pensais qu'à 38 ans, tu allais te retrouver célibataire ? Moi, je pensais que à 20 ans, vers les 22 ans, j'allais être marié, quoi. Loupé, hein. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas rencontré dans mon école. Donc, après, tu commences ta vie professionnelle, donc tu es assez pris avec ta vie professionnelle. Et puis, c'est là où c'est un mauvais engrenage, quoi. Après, tu as les amis qui se marient, et puis tu fais de moins en moins de rencontres. Et pourtant, ce n'est pas faute de s'y préparer. Allez, un, deux. Séance d'haltère tous les soirs, et look travaillé. Pas toujours une réussite, d'ailleurs. Alors là, pourquoi ? Ça me va pas bien. T'aimais pas ?
Jean-Paul s'est donné beaucoup de mal pour séduire les femmes, sans véritable résultat. Alors il s'est inscrit sur plusieurs sites de rencontres, avant de tomber l'an dernier sur celui qui lui correspondait. Ah, théotokos. En balle, ça veut dire quoi? Théotokos, de Théo, Théos, Dieu, et Tokos, de je sais plus. D'accord. Théotokos, mère de Dieu en grec, pour des rencontres entre croyants uniquement. Pourquoi aller sur un site chrétien? Bah écoute, ce n'est pas qu'un site de rencontre. Je dirais que ça fait aussi site de sortie, ça fait site d'entraide, donc et t'as aussi évidemment un peu de spiritualité à l'intérieur. Donc ça fait quelque chose d'assez complet, tu vois. Où tu te sens pas être qu'un simple numéro parmi d'autres, quoi. Est-ce qu'on peut voir ton profil? Me voici. Paf. Yeah, d'accord. Avec un superbe aspirateur. Est-ce que c'est une photo aspirateur à fille? Cette photo, elle marche bien. Regarde, attends, j'ai ah des... Ah ouais. Là, en fait, ça marche plutôt pas mal, là, votre truc, là. Bon, alors, tu vois, du coup, ça peut être l'ego, hein. Est-ce que les filles sont plus coquines que sur les autres sites? Alors, ça fait les deux extrémités. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont... une belle rencontre hein, d'une femme vierge à 39 ans. Bon, tu te dis, bon, il faudrait peut-être un peu... enfin, je sais pas, quand même. Et après, à l'inverse, j'ai rencontré des personnes, on sait plus, une heure après, on s'embrassait, et puis il y a des choses qui sont passées très très vite. Donc on peut faire des rencontres d'un soir? Alors, je n'aime pas le terme rencontre d'un soir. Je n'ai jamais fait de rencontre d'un soir. Mon esprit, ça a toujours été que ça continue. Malheureusement, ça n'a jamais continué. Mais j'en suis le premier désolé. Est-ce que vous pensez que la femme de votre vie, elle est sur ce site? Ah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Depuis qu'il est inscrit, Jean-Paul a déjà rencontré 8 femmes, mais toujours pas celle de sa vie. Elle se cache peut-être parmi les 2000 filles inscrites sur le site. Celle qui vous plaise, alors? Marie. Ah oui. Forcément. Déjà, elle gagne 10 points, ouais, c'est 10 un peu facile. Est-ce qu'il y a des mots qui font tilt, comme par exemple bénévolat, chez vous, qui sont importants? Vrai. Ouais. Attentionné. Attentionné. Bienveillante, optimiste. C'est important. Bien sûr. Alors, attends, regardons quand même un peu qui elle cherche. Bon, elle n'a pas d'idéal, ça tombe bien. C'est plutôt pas mal, on va lui envoyer un petit message. Là, même sans voir la photo, ça vous dérangerait pas de rencontrer une personne comme ça? Ah, ça m'est déjà arrivé. Parfois, c'est les meilleures surprises. Mais en matière de rencontres amoureuses sur Internet, il est parfois des surprises dont on se passerait bien. Car ces sites sont parfois le terrain de chasse de prédateurs et d'escrocs. Des experts dans l'art de manipuler les failles d'hommes et de femmes en mal d'amour. À Déville-lès-Rouen, dans le nord de la France, je vais rencontrer Martine. Bonjour Martine. Bonjour Ève. Son histoire, celle d'une femme qui a perdu tout sens du discernement par amour pour un homme qu'elle n'a pourtant jamais rencontré. À 63 ans, cette retraitée habite dans ce 3 pièces où le temps semble s'être arrêté. Martine vit dans le souvenir de Jean, son défunt mari, avec lequel elle a partagé sa vie pendant 33 ans. Ça fait combien de temps que vous vivez seule ici? Ça va faire 11 ans, 22, de ce mois-là. Et comment on s'habitue à vivre seule? Non, on ne peut pas dire on s'habitue. On peut pas dire on s'habitue. Parce que d'être seul, on ne s'habitue jamais. La solitude est très pesante. Pour rompre sa solitude, il y a 3 ans, Martine s'inscrit sur un site de rencontre très connu. Elle chatte avec plusieurs célibataires avant de craquer sur Gérard Collère. La soixantaine élégante, une chevelure grisonnante, des yeux d'un bleu profond, Martine est subjuguée. Belle photo, quand même. Oui. Ah oui, oui, oui. Photo magnifique. Moi, pour moi, c'était... C'était le bel homme. Ça va faire un petit palpitement? Ouais. J'ai dit, il est pas mal. Il faisait quoi dans la vie, ce monsieur? Il travaillait... Quand je n'ai rien dû m'en douter sur le coup, c'était trop beau. Dans les pierres brutes.
Donc, bonne situation. C'est ce que je me suis dit. Bel homme, bonne situation. Veuf, donc libre. À tout me correspondait, finalement. Et alors, est-ce que, comment il vous appelait? Mon bébé d'amour, il m'appelait. J'étais accro. Parce que je m'étais dans ma même, enfin, je l'ai trouvé. Le coup de foudre est réciproque. La rencontre entre Martine et son fiancé virtuel est imminente. Mais il y a un contre-temps. Gérard apprend que son vieux père vient de mourir. Bouleversé, il doit partir quelques jours au Maroc, où son cher papa vivait. Il doit gérer l'enterrement et la succession. Quand je vois ça, ça me désole. Martine s'inquiète pour le moral de Gérard, et elle a raison. Je reçois un mail par lequel on me prévenait qu'il avait fait une tentative de suicide. Assez grave, et qu'il devait être opéré. C'est là qu'on m'a demandé si je pouvais payer la facture pour qu'il soit opéré. Donc j'ai accepté. C'était quand même fou. Oui, c'était fou. Complètement. J'ai foncé tout droit. J'ai pas hésité. Il fallait que je fasse tout pour qu'il s'en sorte. Et qu'on arrive à se voir. Elle lui envoie un versement de 1500 euros. C'est le premier d'une longue série. Ça fait combien au total? Est-ce que vous pouvez... on peut faire le calcul de ce que vous avez fait? Ah oui, oui. Aveuglée par ses sentiments, elle ne se rend pas compte qu'elle vient de tomber dans les griffes d'un escroc. Il va lui prendre toutes ses économies. 536. À chaque demande d'envoi d'argent, une excuse abracadabrante. Séjour en prison, vol de papier. Martine, elle, y croit. Au point de lui envoyer jusqu'à 2 mandats par jour. En moins d'un mois, elle verse presque 8000 euros, une somme énorme pour cette retraitée qui touche 1800 euros par mois. Cet argent-là que vous avez donné, vous l'aviez ? Non, bon, j'en avais une partie, mais la plus grande partie a été faite en crédit et carte passe. Vous avez fait un crédit pour ça ? Mais c'est de la folie. Oui. Son amant virtuel en veut toujours plus. Martine ne peut plus suivre. Alors, du jour au lendemain, il disparaît. À ce moment-là seulement, elle réalise qu'elle s'est faite escroquer. Sa plainte sera classée sans suite. L'homme est un fantôme. Il n'y a aucune trace permettant à la police de remonter jusqu'à lui. Ça aurait pu vraiment vous démolir ? Oui. Je pense que si ça avait été plus loin, si j'avais donné beaucoup plus, ça m'aurait encore démoli plus. Mais là, déjà, 4 mois, ça m'a démoli. J'ai passé beaucoup de nuits à y penser, à avoir du mal à dormir, à pleurer. Il m'a brisé le cœur, il m'a anéanti ma vie, ruiné. Je dis jamais, je m'en sortirai. Et Martine n'est pas la seule victime de ce pseudo-prince charmant, mais escroc bien réel. À 1000 km de là, à Moissac, près de Toulouse, une grande maison avec un jardin. C'est ici qu'habite Nicole, 61 ans. Bonjour Nicole. Enchantée. Enchantée. Elle aussi est veuve. Elle aussi a été séduite par Gérard, mais sur un autre site de rencontre. Cette fois, il ne s'appelle pas Gérard Collère, mais Éric Cloutier. Il vient d'hériter d'une mine de diamants en Afrique. Et comme avec Martine, il l'abreuve de mots doux. Ah oui, vous avez fait quand même 3 pages là de... Oui. C'est un peu long à lire. Je n'ai pas arrêté de penser à toi, car tu me fais tourner la tête. Je t'aime très fort. Bisous, tendre. Bon. Il y a quand même pas mal de cœur là aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de cœur, oui. Nicole non plus n'a pas vu le piège. Tu te rends compte, il me dit, ça fait déjà une semaine que je suis donc en Côte d'Ivoire. Il faut que je paye mon hôtel. Et j'ai même plus, en fin de compte, un sou pour mettre dans la voiture de location. Donc il me dit, je peux même plus me déplacer, aller sur le chantier. Je me dis, mince, là c'est vraiment très ennuyeux parce que bon, t'es parti là-bas pour faire des affaires et tu peux même pas aller travailler. Et il me dit, non. Alors, je l'ai aidé. Nicole lui donne 800 euros. Quelques jours plus tard, il lui réclame une nouvelle fois de l'argent. Mais à la différence de Martine, Nicole va en parler à son fils, Fabrice, dont elle est très proche. Tiens, bon, ma biche. Ouais, ouais. Bonjour, Eve. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Eh ben, dis donc. Allez,
Eh ben, disons que t'arrives juste pour manger, alors. Eh ben, exactement comme d'habitude, comme t'as rien à préparer. Ah ben, c'est... Oh ! À table ! C'est bon, c'est prêt. Bien. Alors, au début, elle m'a parlé juste de la rencontre. Donc, c'était quoi, un mec qui faisait une mine de diamants ou un truc comme ça ? Oui, c'est ça. Bon, déjà, c'est un peu... voilà, c'était bizarre. C'est pas un métier fréquent. Bah, en Afrique. Oui, oui, mais bon, voilà. Après, c'est quand elle a dit qu'il y a eu transfert d'argent que là, je lui ai dit, là, il y a... Non, là, il faut pas déconner, quoi. Ça vous a fait quoi, quand votre fils, il vous a un peu... Moi, j'étais un peu vexée. Bah, c'est vrai que la réaction de tout le monde, j'étais quand même un peu vexée en me disant, mais quelle gourde, punaise, pourquoi t'as pas réfléchi? Le déni, c'est souvent, effectivement, la première réaction de beaucoup de gens, quoi. Mm-hmm. Du coup, il a fallu vraiment batailler pour arriver à démonter petit à petit tous les arguments qui avaient été utilisés par la personne pour la convaincre de transférer de l'argent, quoi. Et Fabrice n'aura pas à chercher bien loin les anomalies. Étant photographe professionnel, il remarque immédiatement que la photo n'est pas celle d'un amateur. Qu'est-ce qui vous a... choqué sur cette photo? Bah, rien que déjà la photo par elle-même, on voit bien que c'est une pose, c'est pas naturel, c'est pas quelqu'un qui, comme dans des sites de rencontres comme on les voit, se prend avec son smartphone ou avec sa webcam. On est sur quelque chose qui est posé, cadré de façon professionnelle. Donc déjà rien que ça, le fait d'être en costume, moi pour moi ça éveille les soupçons déjà. Pour confirmer son hypothèse, il vérifie l'origine de la photo. Une manipulation qui ne prend que quelques secondes. Là, par exemple, on prend cette photo et on va sur un site qui est spécialisé. On glisse la photo et en fait, le site va chercher dans beaucoup d'endroits si cette photo existe et est utilisée. Et donc là, j'ai bien un résultat avec un site. Et pas n'importe lequel. Il s'agit du plus gros réseau de casting de France. Sur ce site, essentiellement des comédiens, parmi lesquels notre bourreau des cœurs. Oh, c'est quelqu'un de célèbre, waouh. Et là, donc, on a cherché. Elle a eu beaucoup de chance, parce que c'est quand même une recherche... Oui, c'est pas souvent, hein, quand même. ...une aiguille dans une botte de foin, et elle a eu surtout de la chance que ce soit quelqu'un de français. L'ennemi public numéro 1 de ces dames, le voici. Super. Très bien, très bien, très bien. Il m'a donné rendez-vous dans un studio photo. Ouais, super. Dans la vie, il est comédien, il a 61 ans, et il s'appelle Jean-Georges Brunet. Très bien. Roberto Baldo. Ça, oui. Ah, ça, oui. Cosbo. Ah, oui, ça, c'est sympa, ça. Cosbo. La Rolex et tout. La Rolex en or, les bagousses. Ah, la Rolex avec le diams et tout. J'ai un peu gagné au loto. Jean-Georges, la Rolex, vous l'avez payée avec l'argent de Martine et Nicole? Non. Quelle horreur. Donc, c'est pas vous qui avez escroqué Martine et... Non. Ben non. Je sais que j'ai ma tête qui traîne partout sur tous les sites de rencontres, mais voilà. Moi, je suis là, enfin, je suis le vrai. Ces photos, c'est pour son travail. Il les met ensuite en ligne sur des sites de casting afin de se faire connaître. Le problème, c'est que ce sont des sites qui ne sont pas protégés. Donc, tout le monde peut rentrer sur ces sites-là, de book, de casting professionnel. On fait un copier-coller ou on fait enregistrer l'image sous et puis voilà, on fait ce qu'on veut avec les images. Vous êtes une victime, vous aussi? Bah oui, moi, je me sens victime autant que les femmes qui se font escroquer. On a l'impression d'être violée un peu, quoi, d'être soi-même victime de la prise de son identité. Lui est victime de son physique avantageux. Et cela dure depuis 3 ans. À ce jour, aucune de ses plaintes n'a abouti. Chaque jour, sa photo est usurpée. Dans la vraie vie, Jean-Georges est marié avec Laurence depuis 4 ans. Coucou. Et elle supporte de moins en moins cette situation ubuesque. Ça le met des fois dans des états pas très bien, quoi. Ça le met en rage. Donc, et moi, j'aime pas le voir en rage, évidemment. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, je pense aussi à ces femmes qui se font arnaquer. Tout ça parce que mon ami, il est beau, qu'elles choisissent leurs photos. Et puis, voilà, ça devrait pas exister, tout ça. Donc, si tout ça, ça pouvait se terminer, qu'on n'en entende plus parler, ce serait bien. Aussi bien pour toi que pour les autres. N'ayant trouvé aucune solution légale à son problème, Jean-Georges a pris les choses en main. Le soir, il traque les hommes qui usurpent son image. Pour cela, il utilise la même technique qu'eux, les faux profils. Jean-Georges s'est inscrit sur plusieurs sites de rencontres et il est très fier du pseudo qu'il a trouvé. Le vengeur masqué.
Le vengeur masqué, pourquoi ? Parce que masqué, je ne donne pas mon vrai nom ni quoi que ce soit. Et le vengeur, parce que j'ai envie de me venger de tous ces gens-là. Voilà, ça fait pas plaisir, ça, franchement. C'est ma photo. 52 ans. Déjà, j'en ai 61. Déjà, c'est pas moi. Regarde, il a pris toutes mes photos. Regarde. Et ça, c'est des vieilles photos. Hein. Ça, c'est une photo d'un de mes premiers books en ligne. Ça, c'est une photo qui a 5 ans, 4 ans. Là, je suis limite, là, toi, là. Là, je suis limite, là. Donc, déjà signalé, bloqué. C'est énervant, hein. Ça fout les nerfs, quand même. Ça fout les nerfs parce que, je veux dire, on a l'impression de tourner en rond, quoi. Je veux dire, à la limite, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je perds mon temps, ma sueur et mon... Et même mon énergie à faire la chasse à ça, alors qu'il y en aura toujours. De toute manière, ce mec-là, là, il va revenir avec une autre photo. Là, je l'ai bloqué, et dans 3 jours, il va revenir avec une autre photo de moi, sous un autre nom. Donc c'est sans fin, c'est sans fin. Heureusement, dans sa chasse aux escrocs, il a désormais une alliée, Nicole. Réunis dans la même galère, ils ont décidé d'unir leurs forces. Et lorsqu'elle démasque un faux profil, elle l'épingle sur un célèbre réseau social. Eh bien, ma page, elle s'appelle « Arnaque et abus de confiance par fausse identité ». Son objectif ? Prévenir les femmes pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège qu'elles. Donc moi, j'ai fait un tas de petites vidéos qui marchent très bien. Dans cette vidéo, elle n'hésite pas à parler de sa propre histoire. Là, je fais connaissance d'un Éric Poutier, quelqu'un de simple, sympathique, qui me semblait correspondre. J'ai été très naïve de croire à des mots, à une photo. On vous sent touché, par contre. Oui, j'ai presque les larmes aux yeux, en fin de compte, parce que c'est vrai que il suffit simplement de tomber dans une période où vous vous sentez seul, abandonné, en dépression, simplement ça, et vous croulez vite. Vous êtes confié, peut-être vous avez donné votre intimité. Vous imaginez un peu le choc que ça fait? Depuis, Nicole a reçu des dizaines de témoignages de femmes abusées. Toutes ont vécu la même histoire qu'elle. En quelques mois, elles ont répertorié plus de 17 faux profils de Jean-Georges. Paolo Sergio, celui-là. Oui. Ou Pierre-André Vigneault. Voilà. Mais surtout, elles sont parvenues à identifier le, ou plutôt les escrocs, auxquels elles ont eu affaire. Et alors, en fait, qui se cache finalement derrière ces personnes-là? C'est principalement des Ivoiriens. On s'en rend compte, si vous voulez, c'est par la force d'habitude, c'est leur façon d'écrire. Et quand éventuellement on arrive, disons, à les piéger et leur demander, admettons, leur numéro de téléphone pour leur envoyer un SMS. Parce que 00225, c'est le code de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas se dire qu'en fin de compte, que ce soit ailleurs. Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Une ville où règne la pauvreté. La moitié des habitants vit avec moins d'un euro par jour. Alors pour s'en sortir, c'est la débrouille. Vente à la sauvette. Porteurs, il y a même des cabines téléphoniques ambulantes. Appelle celui-là, appelle cabine. Appelez. Des commerces légaux, mais qui rapportent peu. Alors, depuis quelques années, certains ont trouvé le filon. Prendre de l'argent à l'étranger, là où il y en a. Grâce à Internet, ils ont accès à des millions de victimes potentielles et en toute impunité. L'arnaque au sentiment est devenue un sport national. En 2010, selon le gouvernement ivoirien, ce business illégal a rapporté plus de 21 millions d'euros. La plupart du temps, les escrocs qu'on appelle ici des brouteurs opèrent depuis des cybercafés. Tu cherches les emails pour pouvoir avoir les contacts, puis entrer en contact avec eux. J'ai réussi à entrer en contact avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Wilfried, il a 25 ans. Et il a usurpé l'identité de Jean-Georges. Allô, Wilfried, vous m'entendez? Oui, allô, elle. Pourquoi, à la base, vous aviez pris la photo de Jean-Georges Brunet? Des mecs beaux, voilà, mignon, avec des beaux blancs, vraiment, voilà, vraiment bien. Avec ce mec-là, tu fais beaucoup d'argent, ouais, parce que c'est genre les mecs qui forment français. Ils cherchent, donc, voilà pourquoi j'ai pris la photo de Jean-Georges. Et pourquoi vous en êtes venu à faire des arnaques comme ça? Pourquoi vous avez fait ça? Mais le côté, pourquoi nous sommes venus à faire des arnaques? Ici, en Côte d'Ivoire, la situation est très difficile. Je vais faire ça pour avoir quelques millions et puis voilà, m'envoler en Europe ou en Amérique et pour
voilà, pour tenter une aventure. Quelques millions, ça fait beaucoup quand même. C'est pas du genre des millions d'euros, c'est des millions de francs CFA. Ah, d'accord. Hein, c'est des millions de francs CFA. Ici, un million de francs CFA, ça fait environ, 1600, 1700 euros. Je suis pas quelqu'un qui veut profiter des gens. Non, 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 je suis pas ce genre de personne. Il me dit avoir arrêté par peur de la police. En effet, il y a 2 ans, pour tenter d'éradiquer ce fléau, une cellule spéciale a été mise en place en Côte d'Ivoire. Sur le site des autorités, le palmarès des arrestations est affiché. Une façon de dissuader les escrocs. Mais selon la presse ivoirienne, en 2011, seulement 6 personnes ont en réalité été interpellées. L'arnaque au sentiment n'est donc pas près de s'arrêter. Jean-Paul, lui, est prudent de nature. Lorsqu'il rencontre une fille sur son site internet pour célibataires chrétiens, c'est à l'église qu'il lui donne rendez-vous. Et aujourd'hui, ça tombe bien, un séminaire sur le célibat est organisé. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, Jean-Paul Saint. 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 Ça ne s'invente pas. Hein. Oui. Bienvenue. Merci. Saint. Merci. Alors après, on prend l'étiquette, c'est oui, ça ? Voilà. Ok. Il faut d'abord se trouver avant de trouver l'âme sœur. Tiens, j'ai. Voilà. Hop. Oui, alors, tiens Bruno, il faut que tu cherches ton nom. C'est bien, il est à gauche. Allez, voilà. Comme ça, moi, tu es un saint de cœur et d'esprit. Parmi les hommes et les femmes présents, de nombreux membres du site de rencontre. Ils se sont tous passés le mot grâce à Internet. À peine arrivé, Jean-Paul repère des visages de femmes qui lui sont d'ailleurs familiers. Je connais ce visage, j'ai vu quelque part. On s'est échangé de 3 mails. 3 mails, peut-être. Pendant 2 jours, 76 hommes et 76 femmes en quête de l'amour sont venus écouter la bonne parole du Père Dumont. Un prêtre ouvert d'esprit, venu spécialement pour l'occasion. Et la journée commence par une réflexion sur l'amour. Peu réfléchissent sur ce qu'est l'amour. L'amour est vraiment réduit à un sentiment. On cherche le bien-être. Or, dans le fond, la vie, eh bien, c'est vrai qu'elle est une épreuve, mais justement, profitons de cette épreuve pour trouver la joie. Je vous en prie. Puis après, vous prendrez la mûre pour faire descendre tout ça. La brune qui est au premier rang. C'est un métier parce que, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un socle. C'est mieux qu'elle. Ah oui, l'expérience optimale. Les paroles du Père Dumont sont simples, profondes et même drôles. Tout d'un coup, il y a des yeux qui lui sortent des orbites, il dit c'est elle. Ah. Alors là, il fait l'expérience de l'éros. L'éros louche. C'est-à-dire que ce qu'il voit, c'est une idée. Il y a qu'elle, d'un coup, voilà, toutes les autres femmes disparaissent. Les meilleurs moments de sa mère, comme si ça s'est bien passé. Et tu rencontres quelqu'un, tu as le rêve, le coup, le seul. En fait, c'est pas forcément la personne elle-même. Quand vous avez quelqu'un qui louche, il n'y a qu'un moyen. Mais oui, il faut lui mettre des lunettes. Alors on va mettre des lunettes sur les os. Mettre des lunettes pour voir l'amour dans les yeux de l'autre. Un précepte que le père nous invite aussitôt à mettre en pratique. Vous allez, pendant 5 minutes, vous regarder dans les yeux. Tu ne vas jamais tenir, 5 minutes sans parler. C'est un peu comme le roi du silence, en fait. Jean-Paul joue le jeu très sérieusement. Il a choisi sa voisine, Charlotte. Mais la jeune femme a beaucoup de mal à garder son sérieux. Ça t'a plu comme exercice ? Ah, c'est intéressant, oui. Tu m'as touchée par ton sérieux et je me suis sentie sérieusement prise en compte dans toute ma globalité. Ah, waouh, t'arrives à lire plus profondément que je le pense. Bravo. Vous allez vous prendre la main et vous allez vous masser mutuellement. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours un but. On va faire des speed dating sans rien dire, simplement se masser les mains. Allez, top, c'est parti.
Chut. On essaye de ne pas parler. Voilà, les 5 minutes sont passées. J'ai pas pu les bouger, quoi. Vraiment, j'avais les mains bloquées, bloquées. Alors, je sais pas. Ah ouais, tu m'as agrippé, mais schlac. Ça fait plaisir à le faire. Agréable et à refaire. Et à refaire en plus. Je ne peux pas toucher sans être touché. La qualité du regard qui me regarde fait que j'ouvre mon cœur. Et la qualité de la main qui me touche fait que j'ouvre ou que je ferme. Un nouvel exercice attend maintenant Jean-Paul et Charlotte. Cette fois, ils quittent l'église pour se retrouver tous les deux autour d'un café. Chacun leur tour, ils vont devoir se faire des confidences. Je suis une personne très timide, qui a pourtant toujours eu envie de construire quelque chose. Parce que je pense que c'est quand tu construis un couple que tu te découvres. Je me suis tellement mis de pression quand t'as une certaine exigence, tu vois, que finalement, je ne m'autorisais pas à faire des couples. Ou alors aussi, par timidité, d'aller voir les personnes pour leur dire qu'elles me plaisaient. Paf, c'est parti. 20 minutes. Charlotte lui raconte sa dernière histoire d'amour et surtout les visions qui l'accompagnent. J'ai senti Seigneur me dire, montre-lui mon cœur. Je lui ai montré mon cœur. Et après, donc on a connu une grande histoire d'amour, avec un très beau moment. À chaque fois, je voyais des cœurs partout. Un cœur de la classe en forme de cœur, dans la neige, sculpté sur le trottoir, dans mes sécrétions, partout. D'accord. Jean-Paul a beau avoir les idées larges, la confession de Charlotte l'a un peu décontenancé. On va être là-bas à 16h ou pas ? 18h. À 18h ? Ouais, peut-être on va quand même y aller là. Ouais. Pour se remettre de ses émotions, il retourne à l'église, plus exactement dans la crypte. Mais surtout qu'ils ont commencé la musique, il y avait encore la messe là-haut. Alors j'imagine là-haut, recueillons-nous, prions encore, et puis ensuite, quand la musique... Jean-Paul s'éclate sur la piste de danse. Il enchaîne les rocks endiablés, à chaque fois avec une célibataire différente. Il est 22h, le séminaire est terminé. Bon, et ben voilà. Ben voilà, c'est la fin de la soirée. T'es mort, toi. Ah ouais, j'en peux plus, là. T'as trop dansé. Mais je m'en fiche, j'ai pris des numéros. C'est vrai ? Bah ouais, bien sûr. Enfin, pour l'instant, je suis toujours célib, mais enfin bon, après, peut-être qu'il me réserve pour quelqu'un, on va savoir. On verra ce que Dieu veut. Exactement. Ça va être cool. Je te ramène. Gare d'Austerlitz à Paris. Parmi la foule, une voyageuse que tous les Français connaissent. Une ancienne star de la télé. Marier des couples, c'était sa spécialité. J'en ai marre de ces valises. Evelyne Leclerc, 62 ans, la mythique présentatrice de Tournée Manège. Bonjour, vous êtes Eve ? Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, où est-ce que vous nous amenez ? Je vous emmène à Périgueux. Ah bon ? Au salon des célibataires. Ah bien. Voilà, que j'anime demain. Depuis l'arrêt du jeu, il y a presque 20 ans, elle continue de surfer sur sa notoriété. Moi, je préfère les couloirs. D'accord, très bien. Demain, le temps d'une soirée, elle va faire revivre l'émission phare des années 90. Est-ce que s'il n'y a pas un côté, entre guillemets, ringard ou... Non, alors ringard, pas du tout. Moi, je revendique d'être une artiste populaire. J'en suis super fière. C'est la vraie vie. Parce qu'il y a les restaurants de foire, parce qu'il y a l'ambiance, il y a les manèges, il y a les attractions, il y a les exposants, c'est la fête. Et le salon des célibataires de demain, c'est pareil, c'est une fête.
C'est quand même mieux que d'être chez soi, tout seul, dans son clavier, à communiquer avec je ne sais qui. Moi, ce qui me plaît, c'est de rendre les gens heureux. Ça va ? Bonsoir, Evelyne. Wow. C'est bien ? Okay, c'est un peu long, hein, le train. C'est quelques périples. Allez, on y va. À Périgueux, nous sommes accueillis par Éric Pomarel, l'organisateur du Salon des célibataires. Cette année, c'est la 3e édition, et pour l'occasion, il s'est offert les services de cette professionnelle des rencontres amoureuses. Est-ce que c'est un investissement de la faire venir ? Tout un investissement, mais après tout n'est pas que de l'argent. Je veux dire, vous allez chez votre boucher, vous achetez un beefsteak, il ne va pas vous en faire cadeau. Bon, ben là, c'est exactement la même chose, je suis son beefsteak. Ah, d'accord. Mais c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un métier artistique tout de suite le prix, combien ça coûte du kilo. Evelyne Leclerc est à combien le kilo Donc on ne connaîtra pas le montant de son cachet. Mais le montant, on s'en fout. Ça aurait été trois fois plus cher, j'aurais dit oui sans hésiter. Ah, ben bah, si j'avais voulu. Su. Elle n'a pas voulu, elle a insisté. C'est maintenant que tu le dis. Avec la présence de cette ancienne vedette du petit écran, Éric espère faire le plein de célibataires. Son objectif, attirer au moins 300 personnes en quête d'amour. Éric, est-ce que vous avez fixé à Evelyne un nombre de couples à former à la fin de la soirée ? Non, aucune façon. L'important, c'est que les gens qui sont célibataires, qui viennent sur ce salon, puissent passer une bonne journée. S'ils rencontrent quelqu'un, tant mieux. Puis s'ils ne rencontrent pas, il faut qu'ils repartent, quoi qu'il en soit, avec un bon souvenir, en se disant bah, on a passé une super journée. Demain, Evelyne Leclerc doit être en forme. Elle devra assurer le show devant des centaines de célibataires. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils choisi ce salon pour rencontrer leur moitié ? J'ai pris rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il s'appelle Benoît, il est chauffeur. Bonsoir Eve. Bonsoir Benoît, enchanté. De même. Alors, donc là, on est chez vous. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me montrer un peu chez vous ? Ah oui, pas de problème. Alors... Je me débarrasse de tout le monde. Une chaise devrait bientôt arriver, normalement la semaine prochaine. La décoration de son appartement est spartiate. De toute évidence, Benoît n'est pas un grand passionné de déco. C'est un peu vide pour l'instant. C'est un peu vide, ouais. Mais bon, j'emménage petit à petit. Je suis arrivé jeudi, donc jeudi dernier. Et ça fait une petite semaine que je suis là. Ce soir, je suis la première femme à venir chez lui. Avant d'habiter dans cet appartement, Benoît vivait encore chez ses parents. Il a quitté la maison familiale un peu tard, à 32 ans. Voilà. Il y a un choix entre plusieurs choses. Alors, En réalité, pas vraiment. À part du poulet, il n'y a rien. J'ai devant moi le frigidaire type du célibataire. Donc, c'est... Poulet pané, si ça vous tente, voilà. On va se mettre à préparer ce petit repas. Tout à fait. Les œufs. Et la chapelure. Est-ce que votre cuisine, du coup, ça pourrait attirer une jeune demoiselle ? Je sais pas, parce que je démarre, donc après, il faut un temps pour s'adapter, pour faire les choses. Donc après, ça se fera au coup par coup. Je suis une piètre cuisinière, je pense qu'il faut le savoir quand même. Ah, mais j'aurais peut-être dû acheter traiteur. Non, très bien. Donc hélas, repas, vous rêveriez de le partager avec qui, en fait, dans votre soirée idéale ? Ma soirée idéale, c'est une demoiselle qui serait bien dans ses baskets, bien dans sa peau, qui s'assume telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, et qu'elle-même pense que je suis. Alors, qui es-tu ? Alors, je suis quelqu'un de profondément sensible, hypersensible, mais vraiment très, très sensible. Et ça, c'est pas appétissant pour les femmes. Maintenant, elles attendent un homme qui ait du caractère, qui ait du coffre, qui sache s'imposer. Est-ce que vous avez l'impression de plus comprendre les femmes d'aujourd'hui ? Ouais, je suis un peu perdu. Là. Benoît est seul depuis 4 ans. Sa vie ressemble à celle d'un vieux garçon, avec ses petites habitudes et ses rituels. Donc j'aime bien rentrer à la maison, prendre ma douche, me préparer un petit plateau télé, et puis me faire regarder la télé, et puis 10h30, 11h, après la vaisselle,
aller au lit. Cette villa, ça te plaît ? Ben, ça me plaît, oui et non. Pour l'instant, je dois faire avec. Allez, on y va. C'est parti. Mais ce soir, c'est vendredi. Benoît a accepté de me sortir dans un bar où il aime venir avec ses amis de temps en temps. Benoît, en bon timide qu'il est, part se cacher dans un endroit où personne ne peut le voir. On est trop dans un coin, là. On va se mettre sur une table haute, là, non ? Laissez-vous là. Je décide de le laisser seul quelques minutes. Du haut de sa table, il a la meilleure vue. Toutes les filles du bar sont à sa portée. Il a aperçu une jeune femme qui lui plaît à l'entrée, mais il a l'air tétanisé. La blonde avec des lunettes. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Je sais pas, son regard, sa manière de sourire. Et elle vous a regardé un peu ou pas ? Non. Vous seriez capable là d'aller lui parler ? Non, j'oserais pas. Pourquoi ? Trop timide. Ma timidité me bloque. Là, elle part et vous allez la laisser partir. Ouais. Et pourquoi ? Parce que je suis paralysé. Paralysé, là. Là, je ne peux plus bouger, là. Là, j'ai les jambes, elles sont coupées, là. Je me rends compte que pour lui, essayer de rencontrer l'amour est une épreuve. Je préfère donc mettre un terme à cette soirée, plus proche pour lui du supplice. Quel est le bilan de cette soirée ? Nul. Nul ? Nul. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'il faut se dire, là ? Mais il faut se dire que demain est un autre jour et que on va essayer de voir cette nouvelle journée de demain comme peut-être la nouvelle chance d'une nouvelle vie. Peut-être rencontrer quelqu'un. C'est ce qui pourrait m'arriver de mieux. Demain, c'est le salon des célibataires. Benoît s'est lancé un défi, vaincre sa timidité en participant au jeu tourné manège. Son sort est maintenant entre les mains d'Evelyne Leclerc. Je retrouve la marieuse la plus célèbre de France le lendemain dans sa chambre d'hôtel. Bonjour, vous allez bien ? Ça va depuis hier. Bonjour. Oui, très bien. Alors, hier vous m'avez vue en voyageuse, aujourd'hui c'est du Evelyne Leclerc. Ah oui, et c'est quoi la différence entre les deux ? C'est les bigoudis, c'est le maquillage, c'est... C'est toujours aussi important quand ça, même votre apparence ? C'est le maquillage, bien sûr, c'est très important, parce que les gens, vous pouvez pas imaginer. Ah, elle est pas comme à la télé. Tout ce qu'on peut entendre comme réflexion, c'est hallucinant, mais... En général, 9 fois et demi sur 10, c'est gentil. Bah oui. En bonne professionnelle, elle ne laisse rien au hasard. Mallette magique. Ben là, ce sont toutes mes fiches, les questions pour tourner manège, les CD pour les indicatifs, musique. Et c'est vous qui avez inventé les questions, c'est vous ? Ah oui, oui, mais il y a très longtemps que je les ai faites, mais je les réactualise chaque fois en fonction du lieu où je me trouve. D'accord. Mais c'est rien à faire. Et ça, les questions, on les verra ce soir, c'est ça ? Ah bah oui, évidemment. C'est secret, pour l'instant ? Ah bah oui, bah sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et si les préparatifs sont les mêmes qu'à l'époque, le décor n'a plus rien à voir. Fini les fastes des plateaux de télé, place au parc des expositions de Périgueux. Bienvenue, ma chère Evelyne. Comment allez-vous depuis hier ? L'ancienne animatrice est l'attraction du salon. Pourquoi vous la prenez en photo ? Je l'adore, moi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Quand on regardait toujours me tourner manège et tout ça avec elle, c'était génial. Chère madame. Vous voulez que je prenne en photo avec elle ? Oui, je veux bien. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Bonjour, Evelyne. Et apparemment, sa venue attire du monde. Principalement des femmes de plus de 60 ans. Merci, Evelyne. Maryse est venue avec des copines. Elles sont toutes les trois célibataires. Elles ont la soixantaine et croient toujours au grand amour. Vous êtes venue pourquoi aujourd'hui ? Pour trouver l'âme sœur. Voilà. On sait jamais. On sait jamais ? J'y crois. Vous croyez ? Et alors ça coûte combien pour rencontrer l'âme sœur ? Pas cher apparemment. C'est combien ?
Bah, c'est 25 euros, c'est oui, ça voilà. 25 euros. Ça vaut le coup, 25 euros pour trouver. C'est pas cher, après, je ne sais pas, mais moi, je crois pas trop. 25 euros, ça fait pas cher, quand même. Alors, si vous avez peur de rencontrer des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Je ne sais pas, on verra. Dans ce salon, tout est fait pour faciliter les rencontres. Comme par exemple l'atelier Speed Cooking. Un homme et une femme qui ne se connaissent pas ont chacun 10 minutes pour concocter une recette. T'as le maïs, s'il te plaît. Les 15 secondes sont terminées. Un peu plus loin, le mini-golf. Oh, ouais. Ça pouvait être aussi facile que le golf. Si, c'est plus compliqué que le golf. Ah ouais, largement, ouais. Il n'y a pas photo. Hein. Non, bah, c'est formidable, c'est parti en plus. Et bien sûr, l'incontournable speed dating. Maryse, notre sexagénaire, va tenter l'expérience pour la première fois. Numéro 4. Ce numéro va-t-il lui porter chance? Installez-vous près d'une personne, regardez le numéro, vous avez 7 minutes. Messieurs, monsieur, monsieur, par là, par là. Il y a 7 femmes pour seulement 5 hommes. Et ce n'est pas étonnant. Passé 60 ans, il y a plus de femmes célibataires que d'hommes. D'emblée, deux candidates vont donc faire tapisserie pendant au moins 7 minutes. Manque de chance, Maryse est l'une d'elles. Il n'y a personne qui a vu à votre table alors. Il n'y a pas assez d'hommes. C'est le problème. Pourtant, les hommes ils sont là. Ils sont ailleurs, mais on ne sait pas où. Il faut aller les trouver, on ne sait pas où. Oui, moi, je ne vais pas les faire de lâcher, je ne vais pas les chasser, je ne vais pas les pêcher. C'est dommage. Oui, non, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est un problème. Bon, ben là, dans 7 minutes, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Attention. Vous tournez, si vous... Pour Maryse, les affaires reprennent. Un homme s'installe à sa table et il semble être tout à fait à son goût. Bon, mais vous êtes vachement bien conservé, je trouve. Maryse est sous le charme. On dirait une adolescente qui tombe amoureuse pour la première fois. L'homme est sur le point de lui laisser son numéro de téléphone. Un moment crucial, mais il n'en aura pas le temps. Maryse est un peu dépitée. Elle aurait bien suivi ce célibataire capable de la séduire en 7 minutes chrono. À tout à l'heure, monsieur. Difficile d'être plus clair, mais l'homme est un séducteur. Il partira finalement avec une autre femme. Il est 20h, Benoît arrive enfin. Ce soir, mon célibataire préféré a décidé de se la jouer gentleman décontracté. Merci. Je vous en prie. Merci. Benoît, bonsoir. Bonsoir, Eve. Bah, dites-moi, alors, vous êtes tout beau? Oui. Alors, vous avez bien conservé donc, le pantalon. Voilà. La chemise. Voilà. Et le petit pull qui va bien, parce qu'il y a une petite fraîcheur. Voilà. Vous la sentez comment, cette soirée? Très bonne. Très bonne? Oui. Mais dans quelques minutes, devant presque 400 célibataires âgés de 25 à 70 ans, il va participer à l'événement le plus attendu du salon, le jeu Tournée-Manège. En coulisses, il n'emmène pas large. Je ne l'ai jamais fait. Mais là, c'est un bon test contre la timidité. Là, tout c'est un remède, même. Ouais, ouais, ouais. C'est même, je dirais, c'est le vaccin. C'est le vaccin. C'est le vaccin contre la timidité. Allez, à tout à l'heure, bonne chance. À tout à l'heure, merci. Comme à la grande époque, c'est-à-dire que dans un instant, nous allons accueillir deux messieurs célibataires et de l'autre côté, trois jeunes femmes célibataires qui ne se sont pas vues. Si tout le monde est prêt, bien, je pense qu'on peut déjà accueillir les garçons. Il s'agit de Benoît et d'Armand. On va les applaudir très fort. Benoît, pas trop le trac ? Un petit peu, si, quand même. Oh, vous allez voir, ils sont gentils, ils vont pas vous manger. Et vous, Armand ? Oh, très bien. Voilà, Armand, je sens que vous avez une âme d'artiste. Non, pas trop. Oh, mais ça va le faire, ça va le faire. Eh bien, mesdemoiselles, je vous invite à venir me rejoindre. Il s'agit de Sophie, de Marie et de Lilou. Hein, on les a deux choisis quand même. Alors, Lilou, je veux bien vous demander de vous asseoir ici.
La première question, c'est Sophie qui va la poser à Benoît. Donc, Benoît, as-tu un compte en banque? Et surtout, combien y a-t-il dessus environ? Alors, oui, j'ai un compte en banque. Il y a environ dessus à peu près 110, 115 euros. La réponse de Benoît est déconcertante d'honnêteté. Face à lui, un candidat redoutable, sûr de lui et drôle. Tout ce qui plaît aux femmes, l'opposé de Benoît. Je prends ton argent et je m'en vais. Benoît, lui, enchaîne les impairs. Oh, c'est pas tranquillement à l'attendre à la maison. Non. Ben, je serais déçue. Benoît, attention aux réponses, hein. Alors, Sophie, vous votez pour qui? Mais Armand. Armand, une voix. Marie. Une voix. Benoît. Ex aequo. Alors, c'est Lilou qui va les départager. Armand. Benoît est déçu, mais il reste bon joueur. Benoît, désolé. Venez avec moi. Je vais vous présenter les trois jeunes femmes de l'autre côté. Comment les trouvez-vous? Charmante. Merci, cher Benoît. On l'applaudit encore. On l'applaudit bien fort. À tout à l'heure, Benoît. Question à Sophie. On veut faire plaisir, mais en même temps, on gâche ses chances. Voilà. La prochaine fois, je tournerai cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. Malgré son élimination, Benoît compte bien profiter de la soirée pour faire des rencontres. Dans cette partie du salon, des fiches avec le prénom et la photo de chaque participant. Faites un peu le tour et dites-moi s'il y en a une personne qui vous plaît. Cette demoiselle. Caroline. Voilà, son profil me plaît bien. Pour voir la discussion, ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant. Donc après, il faut se donner toutes les chances. Bon, alors comment vous allez vous y prendre ce soir? Je ne sais pas du tout, ça dépendra des circonstances. Benoît part en chasse. Objectif, trouver cette fameuse Caroline dans la foule. Coup de chance, elle est là, devant lui, sur la piste de danse. Mais déjà entourée de deux garçons. Benoît se place en embuscade. Mine de rien, il se rapproche. Alors qu'il est près du but, encore une fois, il perd tous ses moyens. Un simple obstacle le fait renoncer. Cette fois, j'interviens. Grâce à mon petit coup de pouce, il parvient à se placer juste à côté d'elle. Attention, ça va tourner. Après quelques farandoles endiablées, place au slow. Idéal pour approcher un homme d'une femme. Mais Benoît, lui, préfère discuter avec Caroline. Pour la première fois, il sourit. L'affaire semble bien engagée. Je m'éclipse. Une heure plus tard, je le retrouve à la sortie du salon. Qu'est-ce que vous faites là, Benoît? Je laisse mon numéro de téléphone. À qui? À une jeune femme avec qui j'ai discuté toute la soirée. Et pourquoi vous lui donnez pas en main propre? Parce que... Trop timide. Oui. Benoît repart comme il est venu, célibataire. Caroline ne l'a jamais appelé. Pour aider Benoît à sortir de sa coquille, j'ai peut-être trouvé une solution. Rendez-vous à Paris, dans quelques semaines. Qu'on soit chauffeur à Périgueux comme Benoît, ou cadre supérieur à Paris, on cherche tous à faire des rencontres. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Saint-Germain-des-Prés, un quartier chic de la capitale, où Florence Klein, 49 ans, a ses habitudes. Depuis 10 ans, cette ancienne attachée de presse organise des dîners très sélects pour les célibataires parisiens, rien que des CSP+. La prochaine soirée aura lieu dans quelques jours, dans ce restaurant branché. Bonjour Fantine, comment vas-tu? Ça va et vous? C'est gentil, merci de pouvoir me recevoir à cette heure-ci. C'est toujours un plaisir. Alors, on va voir voilà, mon petit coin favori là-bas. Voilà, tout à fait. Comme tu sais. Il est là-bas. Voilà. Alors...
Donc on sera 20-25. 20-25, ok. Voilà, trois petites tables de 8. Voilà, ça me paraît très bien. Trois petites tables de 8. Voilà. Donc à côté du DJ. Alors des tables rondes, c'est pour moi toujours l'idéal. Le DJ, il vient comme prévu, donc vers 23h, c'est ça ? Voilà, 22h30, 23h. D'accord. Et voilà, ça sera une musique d'ambiance au début. Oui. Et puis après, ça va crescendo, que la fête commence. Voilà. Un peu plus festif. Formidable. Pour la première fois, son dîner tombe le jour de la Saint-Valentin. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bonjour. Fantine, Eve. Enchantée. Et pourquoi cet endroit ? Parce que je cherche des lieux de qualité, élégants, avec une bonne ambiance, une bonne cuisine et un bon accueil. Donc, quand toutes les cases sont bien cochées, j'y retourne et je suis fidèle. Comme d'habitude, elle a prévu le meilleur pour ses convives exigeants. Au menu, rien que des produits de luxe. Foie gras, gambas, et en dessert, des spécialités maison, comme ce vacherin fraise réglisse. La petite touche finale. Et vous faites attention justement à tout ? Je vérifie tout jusqu'à la dernière minute et puis j'attends, je bois un dernier petit verre de champagne pour me décontracter et recevoir mes convives et voilà. Et tout est dans le détail, c'est très important. Bien, okay. Merci. Merci beaucoup Fantine et à jeudi. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Pour que son dîner soit réussi, le plus important pour Florence, c'est la clientèle. Est-ce que tout le monde peut venir à vos dîners ? Personne ne vient à mes dîners. Comme ça, sans m'avoir contacté. J'ai besoin de voir le style de la personne, de sentir son état d'esprit, son comportement. Il faut que les gens soient à l'aise, bien dans leur peau, prêts à rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'on ne vient pas avec une attente tout de suite, je veux rencontrer l'âme sœur. Peut-être qu'on la rencontrera le premier soir, peut-être qu'on la rencontrera au bout de plusieurs dîners ou peut-être jamais. Et typiquement, le genre de personnes qui plaisent à Florence, ce sont des femmes comme Muriel, dynamique, belle et distinguée. Bonjour Muriel, comment vas-tu ? Muriel a 42 ans, elle est agent immobilier. Bonjour Eve, enchantée. Les dîners de Florence, elle est fan. On se dit pas, bon, on est là, on est célibataire, c'est un côté beaucoup plus décontracté et beaucoup plus convivial. L'idée, c'est d'être dans un contexte de confiance, hein, parce que c'est par Florence, parce que je l'ai connue par des amis, que donc du coup, il y a un lien. Des personnes qui se connaissent et qui ont un portefeuille plutôt bien garni. Pour participer aux soirées de Florence, il y a un droit d'entrée, en plus du prix des repas, 550€ par an. Je le vois comme à un moment donné un droit d'entrée comme dans un club privé où on a accès à des endroits sympas et voilà, comme on peut s'inscrire dans un club de gym plutôt, enfin comme ça fait une personne peut s'inscrire plutôt au country que dans un autre club de gym. Enfin voilà, je pense que si on ne s'investissait pas un minimum financièrement, peut-être qu'assez vite on se dirait on n'y va pas. Donc c'est aussi une façon quelque part un peu oui de se pousser à faire les choses aussi. Et puis Florence. Un travail important. Finalement, droit d'entrée, c'est rien. Finalement, c'est un bon investissement. Un investissement qu'elle compte bien rentabiliser en participant au prochain dîner. Muriel vit à Saint-Germain-en-Laye, une banlieue aisée de Paris. Et je t'en prie. Ah, c'est sympa. Il y a de l'amour à la maison. Ouais. Elle habite dans cet appartement de 100 mètres carrés avec ses trois enfants. Elle s'y est installée juste après son divorce, il y a 3 ans. Maintenant, elle aimerait bien refaire sa vie. Est-ce qu'on a la même approche quand on est célibataire à 20 ans et donc on rencontre son mari, et quand, en fait, on a connu une histoire d'amour et qu'on se remet, entre guillemets, sur le marché du célibat ? Non, alors je pense qu'on ne peut pas avoir la même approche parce qu'on n'a pas le même vécu. Et on n'a pas les mêmes attentes non plus. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Je veux pas qu'on construise une famille. Ma famille, je l'ai. Donc, forcément, c'est différent. Mais fondamentalement, on a envie de quoi ? On a envie de choses basiques, simples, d'être bien avec quelqu'un. Donc, ça change pas. Enfin. Et donc, vivre seul, enfin, avec vos enfants, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise ? Ou vous vous dites, non, moi, la vie seule, c'est pas pour moi ?
J'imagine là, effectivement ma vie après, maintenant et puis dans les années à venir avec un homme, ouais, avec un compagnon. Et alors cet homme, il est comment? Alors il est grand parce que je suis grande. Ouais, ça c'est. Après, au-delà de ça, faut pas spécialement qu'il soit beau parce que les mecs beaux c'est chiant. Il faut qu'il ait des charmes. Cet homme, elle espère le rencontrer ce soir au dîner de Florence. Tiens, comme ça, tu peux choisir ta couleur. Qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas. Je trouve ça vieillit les mains, le gris, non? Eh bien non, ça ne vieillit pas les mains. Bah, je sais pas. Non, ça fait... Moi, je pense que je vais prendre celui-là. Rouge, parce que c'est la couleur de l'amour. C'est un joli rouge, ça. Est-ce que tu penses que ça fait la différence, là, d'avoir les ongles faits? Je pense que les hommes le remarquent, mais moi, ça fait surtout la différence pour moi, en fait. Moi, j'aime bien ce détail-là, et du coup, je me sens, moi, mieux. Voilà. Résultat. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne tenue. Dans son armoire, des dizaines de robes et de pantalons. Les plumes, hein? Non. Non? Je sais pas si je dois y habiller comment. Ah, il y a du cuir, même. Ouais. On a dit que c'était pas une soirée SM. Finalement, Muriel choisit une jupe noire, une veste noire et des escarpins. Un style chic et sexy qui conviendra parfaitement au code vestimentaire de la soirée. Là, j'ai presque failli à mes règles parce que moi, c'est ou jupe un peu courte ou décolleté, mais pas en même temps. Là, c'est juste. On va pas faire plus. Elle est pas courte, la jupe. Non, ça va, elle est pas trop courte. Mais je trouve que je trouve que c'est pas vulgaire si t'as... Enfin, je sais pas, ouais. Si non mais là c'est super, c'est ça. Ouais. Bon, ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est prêt. À Paris, à quelques minutes de l'arrivée de ses clients, Florence met une dernière touche à ses tables. Ça s'annonce très très bien. Une bonne soirée, pas d'appréhension, super soirée. Mais ça commence mal. Ces célibataires haut de gamme n'apprécient pas la présence de la caméra. Dans ce milieu, exposer sa vie privée est mal vu. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc revenez quand il y aura Muriel, c'est peut-être mieux, parce que les gens vont stresser pour pas grand-chose. D'accord, ça marche. Avec Muriel, nous sommes les dernières à arriver. Jean-Marie. Ah non, mais attention, attention. Benoît. Ça, c'est clair. Benoît. Dans ces dîners à 100 euros par personne, pas question de s'asseoir où l'on veut. Alors ici, venez à cette table. Ah ben, mets-toi à côté de Benoît, tiens, voilà. Muriel, tu t'installes ici. Ok, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Un peu tard, je suis désolée. C'est une période de stress intense. Ouais. On a un tout petit temps. Je dois driver mes tables, voilà, parce que ça c'est ma table, voilà, c'est exactement la table que je voulais. Les trentenaires quadrats, et les deux autres tables, c'est plutôt quadrat qu'un quart. Alors il faut essayer de faire en sorte que tous les gens que j'ai visés aillent à cette table-là, après, à eux d'aller à une autre table s'ils le veulent. Mais ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Et tout va bien. Bon, il n'y a plus que vous à soir, ma chère. J'y vais alors. Très bien. Merci. Moi, je suis à côté de Pascal. À notre table, des architectes, des médecins, des chefs d'entreprise, rien que du haut de gamme. Muriel a immédiatement sympathisé avec son voisin de droite. Accepte-tu cette honte ? C'est avec plaisir. Je veux aller couvrir une Ferrari avec moi, Est-ce que tu veux prendre un hélico ? Ensemble, ils se moquent d'une célèbre émission de télé-réalité. En revanche, avec le célibataire de gauche, le courant n'a pas vraiment l'air de passer. Donc je fais aussi des prélèvements, des analyses de microchimie, des études comparatives avec des infrarouges en couleur, des choses un petit peu compliquées. Assez vite, des affinités se créent. L'ambiance est décontractée. Florence a un œil sur tous ses convives, les chouchouter
est essentiel. Florence, je suis un peu tendue, là. Ah, un petit massage ? Oui. Ah. Voilà. Allez, musique. Mais je vous occupe de tout. Voilà. Alors là, je suis tendue. Voilà. Mais que de talent, Florence. Et un petit coup, tout ça. Oui, c'est pas possible. Mais après, il y a des couples qui se font et je me dis tiens, alors là, j'aurais pas cru, je suis très surprise, donc je vais peut-être découvrir je vais avoir des infos demain ou dans les jours qui viennent. Je pense immédiatement à Muriel que je n'ai pas vue depuis un petit moment. Et effectivement, elle est en train de prendre un numéro de téléphone. Mais ce n'est pas celui d'un homme, elle s'est juste liée d'amitié avec une autre célibataire. Bonsoir Muriel, la soirée, qu'est-ce que t'en as passé ? Il y avait des gens très sympas, mon voisin de droite, ça m'a assez très sympa. Il faut continuer, peut-être pour que ça marche. Restons à l'esprit ouvert et curieux. Merci en tout cas. Ce soir, Muriel repartira seule, mais elle a prévu de continuer à venir au dîner de Florence. Dans ce train en provenance de Périgueux, un homme que je n'ai pas revu depuis 2 mois, c'est Benoît. Je lui ai demandé de me rejoindre ici, à Paris. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au Salon des célibataires. Benoît n'a pas mis les pieds à la capitale depuis 10 ans. Il ne sait pas à quelle sauce je vais le manger, mais il me fait confiance. Et j'espère ne pas lui faire regretter. T'as vu, là, tu dois avoir un peu froid, là. Ouais. Je vais prendre le bonnet, là, pour les cheveux. Benoît est en forme, mais côté cœur, RAS. Est-ce que t'as besoin, tu penses, d'aide ? Oui. En tout cas, je suis là pour prendre le taureau par les cornes et faire que ça change. Est-ce que ça t'ouvre de faire un petit tour de Paris comme ça, ça te donne envie d'être amoureux ? Ça me donne faim. Ça te donne faim de... Ça me donne faim pour l'avenir. Bon, bah là, on va aller en direction de ton rendez-vous. Mais c'est pas avec une fille, c'est avec 2 hommes. Si c'est professionnel, pourquoi pas ? Ah, bah ça, tu vas découvrir, tu vas voir. Pour l'aider à vaincre sa timidité, je vais lui faire rencontrer 2 coachs experts en séduction. Tu sais ce qui t'attend ou pas ? Non. Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que c'est pour aller mieux ensuite. C'est pour mon bien-être. Donc, prêt à tout ? Oui. Pendant 2 jours, il sera entre les mains d'Alexandre et Vincent. Sous leurs allures de dandy, de redoutables love coach. En 10 ans, ils ont déjà changé la vie de plus de 1000 célibataires. En France, ils sont environ 2000 à proposer leurs services à des hommes ou des femmes qui ignorent tout de l'art de séduire. Aujourd'hui, c'est au tour de Benoît. Alexandre, enchanté. Benoît. Bonjour à Eve. Vincent. Benoît. Voilà, je te présente tes coachs. C'est bien nous. Il va y avoir du boulot, hein. Là, il est totalement stressé. Non, mais c'est pas grave. Je suis complètement très bouquée à l'idée de vous parler. Alors, on va être très honnête avec toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour te juger. Par contre, on va te dire tout ce qu'on pense et tout ce qui pourra jouer en ta défaveur, éventuellement dans un contexte de rencontre. C'est-à-dire qu'on dira là, t'as dit ça, globalement, c'est mort, ça n'en marchera pas. Ou ça, c'est très bien. Ah, mais moi, c'est carte blanche, quoi. Bah, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, tes objectifs aujourd'hui ? Je suis dans la phase conquérante. Je dis pas que je suis venu à Paris pour conquérir Paris, mais je suis venu à Paris. Tu peux, ouais. Pourquoi pas ? En 2 jours, ça va être difficile. Non, mais c'est bien, t'as l'air d'avoir un état d'esprit ultra ouvert, donc... La mise en pratique, ça va être plus dur, je pense. Ouais, la mise en pratique, moi, j'ai hâte de voir ça. Parce que moi, je reste avec cette image de toi bloquée sur la chaise, dans le club, et qui n'arrive pas à aller voir... Bon, aujourd'hui, c'est une nouvelle image que tu vas voir. C'était en soirée, là, pour le coup, donc bon, on va commencer par la rue, donc ça va être Ouais, la rue, ça te branche ? Enfin, ça te...
C'est un exercice, il faut le faire. Et le terrain de jeu, ce sera le parvis de Beaubourg, en plein cœur de Paris. Une zone piétonne, avec beaucoup de passages. La première étape, c'est d'aller aborder une femme et juste demander une information quelconque et de repartir, de lui souhaiter la bonne journée et de repartir, ok? Tout simple. C'est l'apprentissage. Pardon, mademoiselle, bonjour. La rue du Faubourg Saint-Honoré, s'il vous plaît. Courage. Oh. Alors, remets-toi de tes émotions et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on t'a pas donné des indications exprès pour savoir ce que tu allais faire de façon naturelle. Première erreur, tu l'as abordé de dos. On n'aborde jamais une personne de dos. Pourquoi? Parce que ça fait peur, on sait pas qui vient de dos. Et donc, lorsque tu abordes une personne, viens, je vais t'aborder. Marche. Excuse-moi, je prends un piquet et tu restes là. Tu ne fais pas un pas de plus. Tu restes ici. Pourquoi? Parce que la fille va faire comme ça. Tu vas lui parler sans bouger et voilà, elle va faire exactement ça. Elle va faire deux pas vers toi parce que tu lui montres que tu ne vas pas la poursuivre. C'est rassurant. Et là, tu vas pouvoir commencer et débuter la conversation. Voilà pour le cours théorique. Continue la pratique. Et là, alors, premier cours pratique, qu'est-ce que t'en penses, Benoît, là? Assez dur. Hein. Assez dur parce que je pensais pas que c'était aussi difficile de prendre sur soi. Mais bon, je vais continuer et puis on verra bien. Benoît n'est peut-être pas un pro de l'approche, mais c'est le roi de l'excuse bidon. Elle est au téléphone, non? Les coachs ne vont pas le lâcher. Ah, elle est au téléphone. Non, elle t'attend là. Elle t'attend. Pardon, mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous sauriez où se trouve la rue du Faubourg Saint-Honoré, s'il vous plaît? Je sais pas. Ah, ok. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh là là. Il y a trois sphères de distance. La première, c'est la distance sociale, c'est d'un bras. Ouais. En fait, c'est là aussi qu'on repère les agressions. C'est-à-dire qu'une personne qui est là ne te veut pas du bien. Surtout si c'est sexe masculin et qu'il a bu trois bières. L'autre, c'est la distance amicale. C'est ça me fait plaisir de te voir. Tu vois, c'est genre un demi-bras, ça me fait plaisir de te voir. Et après, il y a l'amour, les câlins et la sphère sentimentale et plus, c'est celle où on est collé. Là, t'es deux sphères de trop. Ouais, c'est bien parce que j'ai vu que t'as pas lâché quand même. Hein. T'es allé jusqu'au bout. Allez, là, t'as les coachs et derrière, t'as la supportrice. Les deux coachs ont prévu un nouvel exercice pour Benoît. Encore plus difficile. Le connaissant, je sais qu'il risque de paniquer. Pour les prochaines, essayez de demander un numéro. Pour la prochaine, prends un chocolat, un café, ce que tu veux. Et après, on y retourne. C'est important. Je chasse. Devant moi, c'est un autre Benoît. Comme si un miracle venait de se produire. Dans la rue, il a repéré une fille qui lui plaît. Sans nous prévenir, il s'élance à sa rencontre. On ne peut plus l'arrêter. Pardon, mademoiselle. Pardon, bonsoir. J'aurais aimé savoir si... parce que je suis en train d'attendre un ami, là, et je vous ai vu, et... Vous voulez voir un verre? Oui. Mais j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Je suis un peu perdue. Merci. C'est bien, ça. Là, la souris, alors, check ça, check ça. C'est bien joué. Qu'est-ce que tu as dit? Bah, je lui ai demandé si elle voulait boire un verre et tout. Mais elle m'a tout de suite capté. C'est-à-dire, j'ai à peine commencé ma phrase. Mais il faut qu'elle te capte. Et direct. Non, c'est bien, c'est bien. Elle a une bonne énergie là. C'est une bonne énergie là. Ouais. Tu es allé, t'as arrêté, t'as marché, t'as pris le dessus là. Ouais. Mais déjà, félicitations pour cette première partie. C'est bien, tu t'es bien dépassé. Et le résultat, on va suivre. J'ai franchi pas mal de barrières déjà. Ouais, ça se sent, ça se voit aussi. Je crois que j'ai jamais fait autant de contacts. Depuis que je suis célibataire. Ah mais sérieux, hein. En 6 ans, c'est la première fois que je... Bah tu vois, en un après-midi, tu fais plus de... d'abordage. C'est bien. Maintenant, faut t'accrocher, quoi. Voilà. Okay. Bon, et ben, messieurs les coachs, à tout à l'heure. Et moi, je repars avec Benoît. Très bien. Bon shopping. Merci. Mais en tout cas, t'as l'air mieux, là, dans la façon dont tu abordes. Ouais. Mais je suis plus serein, je me sens libéré d'un poids. Et ben voilà. Ouais. Je peux pas libérer de moi encore. Le lendemain, c'est seul que Benoît va retrouver Alexandre et Vincent, ses coachs.
Ok, c'est parti. C'est parti. Pour cette étape, j'ai préféré les laisser entre hommes. Ils vont passer la matinée dans cette boutique branchée. Bon, on va fouiller un petit peu. Ah, c'est sympa ici. Ce qu'on a remarqué, c'est que tu manquais un peu de couleur et qu'il fallait égayer ce bon vieux Benoît. Alors, on va commencer par le pull. Donc, tu vois, on reste sur une coupe relativement simple. C'est-à-dire que tu as un col rond qui n'est pas trop serré ni trop évasé. La deuxième pièce forte, c'est ce pantalon. On a choisi un pantalon qui est volontairement pastel pour créer un contraste entre le pull et le pantalon. Tadam. Voilà, ce qu'on t'a prévu, c'est pas mal, ouais, je pense. Ça va bien changer, quoi. Bah, ouais, ça me tombe bien. Faut essayer, faut voir ce que ça donne sur ma personne. Après, ouais. Moi, je suis prêt à tenter le truc, quoi. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. On va enfiler les manteaux pour voir. Mais les manches, on peut les retrousser, c'est pas un problème. Surtout dans ce genre de vêtements-là, c'est joli. Oui, avec le col relevé, et bah... Ouais. Bah, regarde-toi. Vas-y, viens nous regarder. Un autre Benoît. Ouais. Ça fait raffiné, ça fait de la présence, ça fait... Présence, c'est ça. Présence. Ça fait charismatique, ouais. Ça fait le mec qui arrive et... Ouais, tu le regardes. Qui s'impose. Ouais. Non, j'aime bien. C'est vrai. Benoît n'en revient pas. Il a du mal à se reconnaître dans la glace. Ouais, je repartirais bien à Périgueux comme ça. Dans la cabine d'essayage, il réalise que sa vie aurait pu être différente. Je croyais que la tenue que je porte, en fait, ça me correspondait. Mais pas du tout. C'est un bouleversement quand même dans la vie de quelqu'un. Je me dis que je suis peut-être passé à côté de pas mal de choses, pas mal de rencontres. Au revoir. Au revoir. C'est un plaisir. Bonjour. 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 Et ton patron torturé aujourd'hui? Oh si, terriblement. Ça va? Bonjour. Alors comment est-ce qu'on est sorti aujourd'hui? Avec les honneurs du jury. Les honneurs du jury, carrément. Et au niveau relooking, alors? Au niveau du relooking, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu penses que je vais te reconnaître ou pas? À toi de voir. C'est bien, hein? Ah, mais c'est impressionnant. Enfin, ouais, c'est la couleur. C'est vraiment bluffant. Ouais. T'as un mec qui s'affirme. Ouais. Ça fait vraiment... Ouais, voilà. Chapeau. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Déjà, je pense que je voguerai en solitaire pour l'instant. Ouais. Et je ferai escale dans chaque port. Ah d'accord, carrément. Tu vas nous faire un tour de France, toi. Ouais. Après 2 jours de coaching intensif, Benoît est un autre homme. Les coachs lui ont appris une chose essentielle. Pour plaire, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Allez, viens. Je te ramène. Ouais. Bon, merci pour tout. Bon merci. Courage pour la suite et puis bon retour à Périgueux. Merci. Bah de rien. De rien. Benoît, mais aussi Martine, Nicole, Jean-Paul et Muriel. Ils m'ont ouvert leur cœur, fait rentrer dans leur vie. Je suis allée rencontrer ces hommes et ces femmes célibataires en pensant que tout les opposait. Parcours, métier, goût personnel. Mais s'il est une chose qui les rapproche, c'est cette envie qu'ils ont tous, celle de croire encore au grand amour et de ne pas compter que sur le hasard.